Donc c'est un film qui est sorti en 2018. Oui, désolé, je me rapproche, mais c'est pour le son, sinon vous n'allez pas m'entendre. Et alors, il faut que je vous reprenne le nom du film, hein, parce que sinon je ne vais jamais réussir à vous dire le film et la note que j'ai mis. Donc du coup, c'est un film qui est sorti en 2018. C'est... Mince! Ah, c'est Avengers Infinity War qui est sorti le 25 avril 2018. Je ne lui ai mis que 3 sur 5. Donc déjà, tous ceux qui ne l'avaient pas vu, regardez pas cette vidéo, parce que sinon, soit vous allez prendre mon avis et vous n'allez pas vouloir le regarder, alors que moi, c'est que mon avis perso, soit vous allez être peut-être spoilé. Donc du coup, c'est un film où ils ont décidé de réunir tous les super-héros, sauf les X-Men, parce que du coup, vu que j'ai vu tous les super-héros, je m'attendais à voir les X-Men aussi. Donc ils ont réuni tous les Avengers, tous ceux des gardiens de la... Donc tous les gardiens de la galaxie, Spider-Man, ils ont aussi mis un autre, je ne sais plus lequel c'est. Bref, un qui est dans une maison avec un chinois et qui a une pierre sur un collier qui doit protéger avec une cape. Si vous voyez ce que je veux dire, dites-le moi, je l'ai vu il y a au moins 6 mois ce film et je ne sais plus le nom, tellement qu'il m'a pas choqué. Donc du coup j'avais envie de vous parler de ce film et pourquoi je ne lui ai mis que 3 sur 5. Tout simplement parce que je ne l'ai pas aimé, parce que ça partait dans tous les sens. Ils ont aussi mis Black Panther. Donc ils auraient pu faire un film où tout le monde était en coalition et se battait ensemble contre l'ennemi qui est autre que celui qui dirige l'univers, enfin voilà, qui a détruit plusieurs planètes et tout, et qui est le père d'une des gardiens de la galaxie, mais je ne sais plus le nom. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus que du coup je ne pourrais plus vous dire. Mais voilà, donc du coup j'aurais préféré dans ce film qu'ils soient tous en coalition ensemble. Seulement là, ils sont tous éparpillés. Il y a Thor d'un côté avec le raton laveur des gardiens de la galaxie. Ensuite, il y a d'un côté Spider-Man qui a une nouvelle tenue avec un autre. Il y a d'un côté Black Panther avec Scarlett Johansson parce que je ne sais plus son personnage. Voilà, avec d'autres personnes. Et il y a d'un autre côté d'autres personnages encore. Bref, c'est tout éparpillé. Il y a plusieurs combats à la fois. C'est très 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 compliqué de s'y retrouver. Du coup, moi, j'ai pas du tout aimé parce qu'on était vraiment trop 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 éparpillé, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Et moi, j'ai rendu mal avec les films comme ça qui tombent très 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 éparpillés. Le côté que je peux dire de ce film que j'ai bien aimé, c'est qu'au moins, il n'y avait pas trop d'hollywoodianisation, si je veux dire, qu'il y a dans la plupart des films, comme dans Fast and Furious 8, dont je vous ferai bientôt la vidéo, mais qu'il faut d'abord que je re-regarde parce que j'aime bien quand même re-regarder avant. Et là, j'ai plusieurs films en attente qu'il faut que je regarde, tout comme les livres. Donc du coup, je regarde, je vous fais la vidéo après de ce que j'ai pensé. Celui-là, je l'ai regardé il y a 2 ou 3 jours et j'ai été très très déçue, j'ai eu du mal à le finir. En plus, il est long. Mais tous les Marvel sont comme ça, 2h30, voilà, 2h30, c'est 2h30. Mais il y a des films 2h30 qui passent très 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 vite. Autant il y a des films de 2h30 qui ne passent pas vite du tout. Et celui-là, c'était mon cas. Et en fait, du coup, le méchant veut réunir toutes les pierres. Donc les pierres de l'âme, pierres de vie, etc. Donc si vous ne voyez pas de quoi on parle, il faut regarder les anciens Marvel, les anciens Warner Bros. Et dans les anciens Avengers, par exemple, vous verrez la pierre de vie. Donc du coup, voilà. En fait, le souci dans ces films-là, c'est que si t'as pas vu les anciens, tu peux pas comprendre les nouveaux. Faut forcément voir depuis le début. Et moi, je connais absolument tous les Spider-Man, tous les Avengers, tous les Thor, tous les Captain America, tous les Iron Man. Je les connais tous. Donc du coup, c'est très facile pour moi. Tous les Thor aussi. Donc c'était très très facile pour moi de pouvoir me mettre dans le truc vu que je connaissais. Ils vont même aussi rajouter des personnages qu'on ne pensait pas revoir, par exemple. Dans Captain America, le méchant qui devient tout rouge, d'un coup on le retrouve vu qu'il va indiquer au méchant de ce film comment arriver à avoir la pierre de l'âme. Donc du coup, voilà, on retrouve vraiment, vraiment plein, plein, plein de personnages. Et comme je vous dis, il y en a tellement qu'on finit par s'y perdre. Il y a des films où il y a énormément de personnages qu'on ne peut pas se perdre, mais là, comme je vous dis, on passe d'un truc, puis d'un coup on voit autre chose, puis d'un coup on voit autre chose, puis ça parle d'un sujet, puis d'un autre, c'est très 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 compliqué. Donc comme d'habitude, dans les films Avengers, il y a beaucoup, beaucoup,
d'action. Et ça, c'est des films, par contre, que j'aime bien là-dessus, c'est qu'il y a énormément d'action. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a tellement plusieurs super-héros différents, avec chacun leur personnalité, avec chacun leur petit truc qui fait qu'ils sont héros. Que du coup, par contre, ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les Avengers, dans les Marvel, etc. C'est qu'ils ont chacun leur petit truc qui fait que ce sont des héros. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Du coup, voilà. J'ai aussi bien aimé le fait qu'ils aient mis Black Panther. Et je comprends du coup pourquoi ils ont sorti Black Panther en début d'année. D'ailleurs, je l'ai vu et je vous ferai aussi la vidéo là-dessus. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas sorti Black Panther, on n'aurait pas pu comprendre du coup une partie de ce film. Donc du coup, voilà. J'ai aussi remarqué un truc, et alors si vous regardez The Walking Dead, vous allez dû le voir, c'est que Michonne dans The Walking Dead, c'est celle qui se bat aux côtés de Black Panther. Donc si vous savez pas encore, allez voir. Moi, j'ai tout de suite regardé à son regard, parce qu'elle a un regard tellement intense qu'on ne peut pas louper. Et j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est Michonne dans The Walking Dead et tout. Et quand j'ai regardé sur Internet, et eh ben oui, c'était elle. Donc du coup, j'étais trop contente de la revoir, toujours avec son visage strict, dur, mais tellement intense et beau. Que du coup, voilà, donc la petite parenthèse. Donc du coup, voilà, ce film, j'ai été mitigée parce que j'ai adoré les scènes d'action. L'histoire en elle-même est super bien. Ça suit parce qu'en fait, ce film, pour avoir vu ce film, il faut avoir vu les anciens Avengers. Il faut avoir vu les anciens Thor aussi. Et il faut avoir vu les deux Gardiens de la Galaxie. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre vu que le méchant est le méchant des Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas voir. Et il y a aussi un autre film, donc toujours avec le type avec la cape. Mais je ne vais pas réussir à vous dire qui c'est. Qu'il faut aussi regarder pour pouvoir comprendre. Et je crois que je vais aller regarder c'est quoi le nom de ce super-héros, sinon je ne vais pas pouvoir vous redire. J'arrive. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé. En fait, c'est tout simplement Doctor Strange. Et il faut absolument aussi le voir si vous voulez comprendre ce film, vu qu'il fait... c'est un des héros du film, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc comme je vous le disais, l'histoire... où elle se passe, comment elle se passe, etc. Le fait qu'ils aient réussi à réunir les héros, oh là là. J'ai vraiment beaucoup apprécié, par contre, voilà, la chose qui m'a fait que j'ai eu beaucoup de mal à suivre, comme je vous disais, c'est l'éparpillement des héros. Et je dirais presque qu'il y en avait peut-être un petit peu trop quand même, même si j'étais contente de les voir réunis dans un film. Voilà, j'avais l'impression que pour certains héros, il les avait mis dans le film juste pour dire que les acteurs soient payés parce qu'ils soient rentrés dans le film. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais voilà. Par contre, vraiment, le point positif que j'ai aimé, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un film de 2018, il n'est pas hollywoodianisé. Pas beaucoup, parce qu'il y a forcément des trucs hollywoodianisés pour les acteurs. Mais à part ça, voilà. Bon, par contre, je vois que ma caméra n'a plus de batterie et ça m'embête. Mais je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Donc du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que mon avis aura pu être constructif pour vous. Voilà. Moi, j'adore vous dire les ressentis de ce que je pense. Et ça peut être sympa pour vous. On n'a pas forcément tous les mêmes avis sur la chose, mais qu'on puisse, voilà, échanger là-dessus. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. Voilà, passez une bonne journée, faites attention encore avec ces foutues chaleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.